Bon, alors, on est reparti. Bonjour à tous, c'est le chapitre 3.3 de Le petit moment d'hésitation de Resident Evil 4. Ah là, on s'éclate. Il y a 4 sous-chapitres dans celui-là. Ah bonjour, salut, salut mon vieux pote, salut. Intruse, on dirait qu'une intruse est glissée parmi nous, nous pensons qu'elle est bien sérieuse, voyons les gars, que elle avait pour objectif, ouais, c'est pour ça qu'elle travaille pour conquérir la dose, ouais, il faut récupérer ça, ouais, ok. Ok, donc il y a Dada dans le frigo, voilà. On va récupérer le bon miroir orné de perles qu'on va examiner parce que, franchement, c'est de la qualité quand même, hein. Alors, le miroir examiné. Alors, nombre de perles et rubis. On est d'accord, ça se vend très cher, hein, chez toi, hein. Là, je fous un coup de couteau trop... ça, ça le touche lui aussi. Ah, je fais « merde !» Welcome. Bah, toujours aussi content de me voir, hein, toi. Oh, tu vends un lance-mine. Allez, la puissance de feu, merci, c'est gentil. Et moi, je te vends un miroir. Allez, comme ça, on se fait un sacré deal. Ouais, le bleu de velours, j'en ai pas mal, hein. Et ça sert à rien. Voilà, merci. J'ai toujours beaucoup de fric grâce à toi. Allez. Alors ce niveau, ça devrait être court. J'espère m'en sortir mieux que Steve. Il est mort, lui. Je m'en rappelle très bien, c'était le moment avec le Garador. Allez, c'est parti. Le prochain niveau, je sais aussi ce que c'est. C'est bon, je m'en suis rappelé. Alors, je vais tenter un truc qui est possible qu'en GameCube avec le prochain niveau, je vous ai déjà dit. Voilà, un petit bug, un petit truc qui normalement c'est pas censé être là, mais voilà. J'en dis pas plus. Alors, il n'y a pas des ennemis ou c'est seulement haute difficulté? Alors, je dirais que c'est en haute difficulté parce que normalement, ouais, il y a des ennemis ici. Bonjour. Alors, bonjour. Ah putain. Ok, voilà, c'est bon, j'ai pété. Ouais, ça va. J'espère aussi faire meilleure précision que Steve, mais ça, ouais. On passera d'un autre temps. Alors, je passe pas cette porte, parce que de toute façon, on la reprendra pour en repassant ici avec Ashley. Donc voilà. Faut déjà passer au reste. Ouais, j'ai beaucoup de trucs, hein, quand même. On va aller au lance-mine. On est comme ça, nous. Alors. Vite. Ah, putain. Oh putain, ça va me péter à la gueule! S'il vous plaît, Jésus, Dieu, Marie, Joseph. S'il vous plaît, Jésus, Dieu, Marie, Joseph, je me soigne. Je vais mourir, là. Oh putain! Je suis pas mort. Ouais, putain, je suis pas mort, j'ai même réussi à le tuer. Bam, dégage. À un moment donné, voilà, allez vous faire foutre. Suplex. Vas-y, suplex. Chaud, j'ai utilisé plein de soins, mais je suis chaud. Voilà. Putain, ça va, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai flippé, mais j'ai réussi, hein. Et on a le sablier du décor doré, voilà, voilà, du temps et ancestral de machin bijou chouette. Merci pour la grenade aveuglante. Bon,
Ça va, plus de peur que de mal. Est-ce qu'il y a quelque chose ici déjà? Ouais, je m'en rappelle bien. Munition de magnum, ouais, c'est vrai, c'est du lourd. Hein. Bon bah voilà, hein. On a déjà fait la moitié du niveau. Je plaisante même pas, hein. On a fait déjà la moitié du niveau. Ce sera sûrement l'un des niveaux les plus courts du jeu, si ce n'est le plus court. Hein. L'une des plus courtes vidéos de ce Let's Play aussi. Hein. Alors nous, on va aller récupérer ce putain de fucking NES Rocket de l'autre côté, là. Calibou, Bernard. Et lance-mine. Ok. On changera plus tard. Merci pour le pont. Alors là, il y a des ennemis, bien sûr, vous doutez, les lampes, ça sert pas qu'à décorer, connard, hein. Alors déjà, on pourrait être plus sympa avec moi, hein. Je ne vous ai pas insulté aux dernières nouvelles, hein. Arrêtez de faire vos Mélenchons, hein, vos petites têtes de Mélenchon, là. Vous voyez pas que je vous vois? Qui c'est qui est ouvert? Oh putain. Allez, et maintenant on va y aller en lance-grenade. Oh, grenade. Oh, lance-grenade. Il n'y en a pas de lance-grenade. Ah, je les ai tous eus. Génial. Bon, par contre, ça veut dire que j'ai encore plein de grenades, mais c'est génial. Bon, bah. Voilà, c'était le dernier combat du niveau. Bon, autant des fois j'en chie pour un rien, autant le reste, je réussis trop bien des passages que j'aurais cru, où j'aurais cru en chier un peu plus quand même. Ouais, le lance-roquette. J'ai tourné en Inde. Je vais même plus savoir où les foutre, bordel, ces putains de grenades de merde. Non. Voilà. Alors, on va mettre ça là. J'ai trop de munitions de pistolet aussi. C'est limite, je vais être obligé d'en revendre à un moment donné, tu vois, c'est le mec. Je sais plus quoi en foutre de ces munitions de putain de pistolet. Je le sens tellement que venir que... Oh putain de merde. Et voilà. J'ai pas trop de munitions, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tranquille, Steve limite il en manquait des fois, moi ça va, hein. Plaise, Blaise, hein. La bidoche, c'est la bête de doche, c'est la donne. Alors Ada, on est passé par là pendant que moi je les affrontais, hein. Sauf en fait je les ai même pas affrontés dans ce moment-là. C'est con. Mon dieu, j'ai créé une incohérence artistique par rapport à ces paratouilles. Marchand, aide-moi. Faut voyager dans le temps. Pour protéger de ça. Alors, la mode. Alors, XX. Et après, il y aura XXL. Oh, bah, juste quand je commence à manquer de place, c'est gentil, marchand, hein. Ouais, je veux le spray. Pour une fois que tu m'en proposes un, connard. Ah, il m'en propose. Ah, même d'autres. Allez, vas-y. C'est gentil. J'en avais bien besoin là. Bon, à la prochaine. Ta-na-na-na-na-na-na-na, à la prochaine, hein, mon vieux. Et hop, voilà, on termine le niveau. Leon. Luis. I got it. Pourquoi tu t'es arrêté de parler? Oh, c'est comme dans Alien. Bon, sauf qu'il a changé, hein, le facehugger. Luis! Luis! Sadler a une grosse queue! C'est impressionnant. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Pourquoi t'apparais toujours dans les moments opportuns? We'll make sure you follow the same fate. Tu veux pas me tuer directement, connard? Stay with me, Lewis. Hey, Lewis. I am
Tu devrais déjà être mort en fait, Louis. Avec la blessure que tu as, normalement, t'as plus de colonne vertébrale et normalement, ton cerveau devrait plus fonctionner, hein. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Louis! Tu m'as même pas donné la solution de fin de jeu! C'est nul! Connard! Non! Petit bâtard! Je te jure, bon bah je vais jeter cette boîte, ça me sert plus à rien. Pof. Si je l'ai fait bouffer, ça m'a. Allez. Bon, finalement j'ai pas tant de précision que ça, je suis déçu. Par contre j'ai quand même battu Steve parce qu'il a fait 75, moi j'avais fait 78%. J'ai tué avec 10 ennemis, lui il en a tué 24, il en a bien plus, hein, d'ennemis. Et je suis mort 0 fois, lui il est mort une fois face au gardeur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Bonne aventure, bye 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 les gens.